Lire les questions. Pour commencer, présentez-vous, d'où venez-vous, que faites-vous dans la vie? À ton honneur. Eh bien, on vient d'où? De notre temps d'enfance ou De notre temps d'enfance, tu peux dire ça, écoute, je pense que ça marche. Alors moi, disons que ça fait une dizaine d'années que je suis sur Toulouse. J'ai passé mon adolescence près de la Bretagne, donc c'est un peu là que j'ai découvert la musique électro, notamment quelques free parties bretonnes. Après, dans la vie, je suis administrateur système et réseau. Je bosse dans l'informatique, en fait. Donc, je fais dialoguer des machines entre elles. C'est cool. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et moi, je travaille aussi. J'ai une activité salariée. Je bosse sur Orange, dans un centre d'appel. Et je fais aussi donc, de la techno depuis pas mal d'années maintenant. Quoi. On est bon pour ça, là, je crois. On est au top. Alors, comment avez-vous décidé de créer Proper Line? Tu commences? Ouais, c'est parti d'un track de David qu'il avait fait, et en fait c'était pour une compile, alors je sais plus, c'était exactement. Pour qui la DRA ou... Je sais plus, c'était pour une soirée dans laquelle j'avais joué, il demandait un morceau, ouais. C'était pour Yatma, exactement, voilà. Yatma, ouais. Et voilà, c'était mon premier projet, on va dire psy-prog un peu, ouais. Donc c'était central, c'était la psy un peu assez lente. Et donc j'ai demandé l'aide d'Arnaud pour le mix final. Voilà. Et c'est là que c'est né. Parce qu'on... Voilà, c'est là que c'est né. Bon, on se connaissait avant depuis un moment, on avait déjà fait pas mal de trucs avec notre 4Kids tous les deux. Et c'est vraiment de là que c'est né, parce que c'est là où j'ai commencé à triper, on va dire, à mixer le morceau de David. Et en plus, j'ai, on va dire, retrouver un peu les sensations de mes premières écoutes, parce que à la base j'écoutais beaucoup de techno, donc j'ai retrouvé un peu ce côté techno dans la psy-trance, même si le morceau était pas vraiment de la psy-trance. Ouais, c'est pas vraiment de la psy-trance, c'était plus là, mais après le délire, voilà, c'est ça. Quoi. Mais c'est de là que c'est parti. Et du coup, après, on a fait le premier morceau, Dimanche, exactement. Que j'avais commencé, et David a récupéré, on a fini à deux, et ça a été vraiment le départ, on va dire, voilà. de la collaboration. Et là, on s'est dit, on a ce truc, puis voilà. Voilà. Moi j'avais le contact avec Yann, etc. etc. Ça viendra après. Votre musique plutôt transprogressive est généralement parsemée d'électro, un style assez difficile à définir. Si vous deviez expliquer votre style aux personnes qui regardent cette vidéo, que leur diriez-vous? Je commence pour moi. Donc, ouais, effectivement. Enfin, moi, la psy, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été mon truc. Pourtant, j'ai fait de l'art tech, j'ai fait de l'électro. J'ai jamais fait de délire psy, mais ça a toujours été mon truc. Et c'est vrai que nous, la différence, elle est forcément tête électro, parce que nous, voilà, on vient de styles différents. Il faisait du dubstep, il mixait de la techno. Moi, j'ai fait de l'électro. On a fait vraiment plein d'autres choses avant. Et donc, forcément, on s'est retrouvé dans ce délire transprogressif. Parce qu'au niveau du tempo, ça s'était adapté à justement mélanger les styles. Donc c'est vrai que nous, on a ce côté un peu techno, un peu prog et un peu électro, etc. C'est vrai que ça serait assez difficile à définir. Après, je trouve que maintenant, de toute façon, dans tous les styles électro, c'est assez difficile de définir ce qu'on fait. Il y a souvent des nouveaux courants qui naissent et puis on va essayer de qualifier ça. Je sais pas, le trap, par exemple, on va essayer de nommer un peu ce qui sort. Disons que moi, ce que je trouve intéressant dans ce style, c'est que il y a une grosse effervescence, une espèce de renaissance un peu du style. Et du coup, effectivement, c'est assez surprenant parce que justement, on peut tout y mettre, mais en restant quand même dans un truc qui a de la gueule et qui groove et qui est intéressant. C'est pas non plus justement un fourre-tout poubelle. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet d'insuffler les petits côtés électro qu'on aime bien, un peu dubstep parfois, et puis aussi le gros côté justement lourd techno. Qu'on aime bien. Moi, à la base, par exemple, il y a un artiste que j'adore sur les dernières tracks. Pas tout à fait les toutes dernières qu'il a fait, mais celle qu'il a fait il y a 2-3 ans, c'est Popoff. Et donc, j'adore voilà, cette espèce de techno minimal, mais à la fois très appuyée, très entraînante. Et j'ai toujours conçu la musique un peu électro comme ça, comme un espèce de voyage.
Donc le mélange de ces styles-là avec le côté intéressant de soit la bass off beat ou la full on et avec ce côté un peu techno qu'on a dans nos tracks, c'est un mélange intéressant à travailler et c'est ça qui me plaît quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un parti pris parce que c'est même très techno. Ouais, on verra si le public adhère à ça parce que c'est vrai que nous on le fait parce qu'on a ce feeling avec ce style-là et on le fait de cette manière-là. Maintenant on verra si ça plaît et si ça peut avoir de l'intérêt. Ouais, après ça ressemble à un autre délire, on va dire. Alors, dans la vie de tous les jours, quelle musique... Vous avez noté, c'est moi qui lis les questions, mais monsieur ne veut pas... Dans la vie de tous les jours, quelle musique écoutez-vous ? Quelles sont vos influences ? Quelle musique on écoute ? Tu veux commencer ? Vas-y, commence. Alors, quelle musique j'écoute ? Ça, c'est une très bonne question. Compliqué d'y répondre oui et non. En fait, j'écoute et j'ai écouté beaucoup de choses. Donc, ça dépend un peu, je dirais, des moments de ma vie, même des moments à l'instant présent. Principalement, j'écoute pas forcément plus que ça de l'électro, du moins de la psyprog dans la vie de tous les jours. Si en voiture par exemple, je trouve que voilà, l'électro c'est bien adapté à la bagnole ou à un long trajet, là c'est pas mal. Sinon, j'écoute par exemple, j'ai écouté beaucoup de métal, donc j'en écoute encore beaucoup. Dernièrement, je tripe beaucoup sur les morceaux un peu rock surf, c'est très bizarre, hein, mais voilà, avec l'influence un peu bécane, custom et tout ça, j'aime bien. Mais j'écoute aussi, l'an dernier par exemple, j'ai beaucoup écouté Wax Taylor, j'ai vraiment accroché à notamment un de ses albums. Alors je fonctionne surtout comme ça en fait. Souvent je tripe sur un album et du coup j'écoute cet album en boucle. Donc il y a un album de Tool par exemple que j'ai beaucoup écouté. Alors je ne saurais pas vous dire les noms parce que je suis nul à retenir les noms des albums et tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup écouté de. Dans le métal, j'ai écouté du Pantera, Sepultura, bah, c'est un peu classique. Hein. J'ai écouté aussi un peu du Cold Chamber, des trucs comme ça, un peu néo-métal, un peu plus sorti de sentiers battus. J'ai écouté du hip-hop, beaucoup d'électro, bien sûr. Et après, voilà, je suis capable d'aimer, pour écouter, voilà, ça va être vraiment à l'affinité, au feeling avec le morceau et l'émotion que je ressens. Et après, je suis capable aussi d'écouter beaucoup de choses, notamment dans le style qu'on produit à l'heure actuelle, dans les styles que je produis pour analyser en fait. Donc il y a une, j'ai beaucoup d'écoute analytique pour savoir comment tel et tel artiste place ses sons, les travaille, essayer de comprendre un peu les secrets de production des gros producteurs. Quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'écoute énormément de choses. Quoi. Ça passe du dub, du métal. Tu parles trop bien. Ouais, je sais. Ouais. Le top. Donc, toi, t'es des muscles sauces. C'est ça, toujours. C'est pas mal, ça me boucle. Donc, moi, pour la petite histoire, moi, je viens du rock à la base. J'ai une formation de guitariste, j'ai fait une école de jazz à la base, avant la techno et tout ça. Et donc, voilà, c'est vrai que, comme je le rejoins dans ce qu'il dit, la musique, c'est une histoire de moment. Donc la techno, c'est pour danser, par exemple. Après, nous, on en écoute plein de fois parce qu'on en produit et tout ça, mais c'est quand même adapté à un certain moment. Et c'est vrai que moi, je vais pouvoir écouter de la soul au taquet, forcément du rock, puisque j'ai une culture rock. Je vais écouter quand même des trucs assez larges dans la vie de tous les jours. Après, voilà, c'est une histoire de moment. Moi, pour moi, la musique, c'est une histoire de moment. On est bon. C'était mélancolique. Ouais, complet. T'écoutes Deftones. C'était mélancolique, hein, t'écoutes Deftones. Je suis super content. J'étais mélancolique, des fois j'ai écouté Deftones, ça c'est clair. Après, si, ouais. Okay. Ça dépend. Alors, entre nous, la trance est assez vague. Pourquoi avez-vous choisi la trance progressive et non d'autres sous-branches de la trance comme la psychédélique trance, la goa ou encore plus extrême, la dark trance? Je commence sur celle-là. Moi j'adore la psytrance et tout ça, c'est vraiment un truc. Bon, la dark trance, tout ça, dès que ça va vraiment trop vite, c'est pas mon truc, vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça. Quoi. Par contre, c'est vrai que moi j'ai choisi ça parce que, à la base, moi ce que je trouve, c'est que dès que tu descends un petit peu le tempo, t'arrives à trouver des grooves plus intéressants et tu peux mélanger plus de choses. Et donc, après mon passif d'électro de ce style-là, j'aurais eu du mal à vraiment accélérer le tempo comme de la psytrance ou encore pire de la dark trance. Même s'il y a des moments, on est toujours dans l'histoire de moments, j'apprécie sur le style. Ouais, peut-être une question d'âge, quoi. Il y a peut-être une question trop vieux pour. Aussi, ouais. C'est vrai moment, que bon, je... On a commencé tous les deux à faire de l'art tech, du hardcore, et plus ça va. Fort, vite, hein. On finira certainement par faire de la funk, quoi. Ouais, c'est ou du lounge, ouais. Comme ça, quoi. Après, disons que moi, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur les influences qu'on va pouvoir mélanger dedans. Et
Bah, c'est parti un peu d'un morceau de Nilix que j'avais. Alors, pareil, je ne vais pas pouvoir vous citer quel morceau. Mais ça m'avait foutu une bonne claque parce que il y avait ce côté un peu à la pop-off minimal, mais avec un côté lourd au niveau du son. Et donc, ça, déjà, ça m'a interpellé. Et après, les deux autres artistes qui m'ont interpellé, c'était Interactive Noise, pour un peu la même raison que Nilix, mais avec le côté un peu plus lourd et encore plus minimal techno dans l'évolution de la track. Et puis après, les derniers, c'est sur quelques tracks de Coming Soon, où là, franchement, ça m'a fait triper l'énergie qu'on pouvait mettre dedans, en fait. Donc du coup, Goa, je suis pas très fan des synthés, honnêtement, ouais, je suis pas très fan des synthés un peu vintage et tout ça. Psy, ça va, mais c'est pareil, ça dépend un peu de la dose, voilà. Si quand il y en a trop, pour moi, c'est trop. Et après, il y a ce côté, effectivement, dans la psy prog qui est sympa, c'est qu'on peut... comme j'ai pu le faire dans d'autres styles, justement passer d'un côté un peu plus électro à un côté un peu plus techno, ouais, et puis revenir bien. Après un truc un peu plus... voilà, on peut naviguer un peu dans... Un peu peut-être, ouais. On pourrait appeler ça des sous-styles, même si je pense pas que ce soit vraiment le terme adapté, mais voilà, on peut naviguer dans diverses influences et rendre un peu le truc un peu dynamique, et c'est assez plaisant. Même au niveau de la production, c'est assez sympa, parce que du coup, on n'est pas limité. Si à un moment donné, on a envie de faire un truc qui ramone techno, parce que... on est dans la vibe d'un truc qui ramène techno. Si après on veut faire des trucs un peu plus groovy, un peu plus pumpy. Et même je vois au niveau du public, moi j'ai remarqué ça à l'époque, la techno, quand on jouait techno, quand on jouait drum and bass, les gens attendaient vraiment ça. Et maintenant, je pense que c'est à force d'écouter tous ces styles-là, les gens sont plus habitués à ces styles. Et du coup, j'ai le sentiment qu'ils attendent que ça, voilà, que ça change un peu en set, pendant le set, que ça change pas mal, que ça évolue. Ça, c'est clair. Parce que c'est sinon, on a l'impression que des fois, ils s'embêtent un peu. Donc la psy prog, ça permet ça, quoi. Voilà, voilà pourquoi la psy prog. Ouais. Ok. Comment produisez-vous vos sons, toujours ensemble, matériel? Alors, donc toujours ensemble, non. En général, je veux dire, nous, on a tendance à fonctionner comme ça. Il y en a un qui commence, puis l'autre, on l'envoie à l'autre, puis on avance comme ça de notre côté, jusqu'à un moment donné où on estime qu'on a suffisamment avancé. Et là, vraiment, on va se retrouver pour faire ce qu'on va appeler le montage. Vraiment, on va commencer à finir le montage et tout ça. Et une fois que le montage est fait et prêt, Arnaud fait le mix. Clair. Ouais, David, et c'est pas un truc qui le passionne. Ah, c'est pas trop mon truc. Et après, je comprends parce que c'est le mix, c'est un peu important. Un truc de geek, quoi. Ouais, c'est un truc de geek. Donc, faut y passer des heures, faut trifouiller des trucs. Tu te dis, bon, tu travailles une caisse claire pendant une heure, ça ne veut rien dire. Mais pourtant. C'est super important, je sais que c'est super important. Voilà, ça joue sur le résultat final et. Malgré tout, en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que plus c'est bien produit, on le voit sur les gros artistes, et plus c'est appréciable sur du gros son, ouais, c'est normal, hein, et plus c'est propre, et plus c'est appréciable, et plus c'est propre, et moins le public se perd, et plus c'est propre, et plus t'emmènes les gens, donc c'est génial, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, je suis assez exigeant envers moi-même aussi, donc je passe beaucoup de temps à travailler ça. Mais c'est super important parce qu'en plus, le même son, une fois passé, moi je l'ai vite vu avec mes morceaux au début, donc moi j'ai tout mon délire énergie, tout ça qui marchait, donc sur scène ça marchait. Mais par contre, c'est vrai que sur au niveau de disque, ça sonnait pas des masses. Et après, c'est clair que tu prends le même morceau, la même basse, une fois super bien mixé et tout ça, mais d'un coup, ça a vachement plus de gueule. Et d'ailleurs, d'un coup, tu passes. Et ça vient de tout c'est ça. C'est ce qui est intéressant parce que du coup, moi j'ai un côté assez carré, et souvent je fais des parts que David va complètement défoncer, et de là, on va récupérer cette idée. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le travail à deux ou à plusieurs, c'est que alors on a bossé beaucoup au début tous les deux, mais c'est pas évident parce que ça avance moins vite. Donc du coup, de fait de c'est commencer bien, ouais. De rebondir sur l'un, de puis dès qu'il y en a un qui bloque, l'autre il peut il a une idée qui va renchérir, qui va redonner une idée à l'autre. C'est le côté cool de travailler à deux, de toute façon. Après, au niveau des configs, moi j'ai on va dire une petite config studio carte son, c'est une RME, c'est ça, voilà, tous les deux des RME allemands. Les Allemands vont être défoncés, les Brésiliens, c'est pas pour rien. Et du coup, on a carte son RME. Moi, j'ai une paire d'écoutes Adam P11 pour les connaisseurs. Les connaisseurs, le dire. Et j'ai acheté celle-là parce que Dilem les avait. Non, c'est pas vrai. Mais un petit peu quand même. Et non, après ça, c'est toujours délicat le choix du matériel, j'avoue. C'est surprenant. Alors moi, je bosse aussi beaucoup au casque. Donc finalement, c'est assez surprenant parce que souvent, je commence les mix aux enceintes. Et souvent, bien souvent, je l'ai fini au casque. Mais quand je suis en phase de mix, je fais un retour entre l'un et l'autre, en fait.
parce que notamment au niveau des reverbs, si t'as pas une acoustique de pièce travaillée pour, très dur à maîtriser et à avoir une reverb qui soit fidèle à ce que t'entends en fait dans la pièce. Et du coup au casque ça permet de rectifier un peu ça, là, tout ce qui est dynamique, reverb après c'est peut-être aussi une question de connaître bien son écoute. Et c'est vrai que le casque, je travaille plutôt le mono stéréo au début sur les enceintes, et après je le rectifie aussi au casque, parce qu'au début au casque c'est ça qui est pas évident, c'est d'entendre ça, le mono stéréo. Au début on entend plutôt, on a l'impression qu'il y a que de la stéréo justement. Et quand on connaît bien son casque, après on peut travailler avec ça. Donc voilà, après au niveau du matériel... C'est bien pour les professionnels, pour les professionnels pour leur style. Ouais. Allez, bon. Ouais. Ouais. Alors, avec plusieurs expériences un peu partout dans l'Hexagone, à quel endroit avez-vous préféré, que ce soit au niveau de l'ambiance, de l'organisation, ou encore du matériel mis à disposition? Alors, on parle de notre projet commun, parce qu'en fait, nous, c'est neuf, hein, ça a quand même pas un an d'existence, mais ouais, on a quand même fait des belles dates. Hein, le bikini, moi, je dirais, si on doit garder, nous, ce qu'on a fait pour l'instant, parce que je pense que le bikini, c'est une sacrée date. Mais le bikini, c'est une belle date, c'est une salle de fou, c'est ouais. Forcément. Puis c'est vrai qu'on est passé après Monsieur Suite et Cularis, qui faisaient plutôt psyproc vraiment traditionnel en offbeat. Ouais. Et on a joué avec notre truc un peu techno, alors qui était un peu à l'époque, qui avait pas encore tout à fait le son que maintenant, ça c'est clair. Mais par contre, c'était la fin de la soirée. C'était très adapté à une fin de soirée. Après, moi, j'avoue, une bonne date pour moi, c'est quand on arrive à capter l'attention du public et qu'on a le répondant. C'est pas, je dis pas ça pour. La fête de la musique était très bien pour ça. Voilà, par exemple, la fête de la musique, c'était un des. C'était la dernière, cool, mais celle-là était particulièrement cool, énorme au niveau ambiance. Ouais, et ça, parce que quand il y a un répondant, sur scène, forcément, ça nous donne encore plus d'énergie. C'est très très dur de se mettre dedans quand on sent pas trop les gens. Par exemple, le bikini est une salle qui a double tranchant à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de distance avec le public, malgré tout. Et puis, on voit une masse de gens comme ça, et des fois, on a du mal à capter l'énergie, on a du mal à... Mais bon, ce soir-là, on les sentait bien. Particulièrement, c'est le truc qu'on avait joué avec notre forking, on était tellement haut, tu vois. Ouais, mais c'est bien, ouais, c'est une super date, mais... Il y a des dates où, comme ça où c'est tellement gros. Moi, je vais parler de, par exemple, la date avec Skrillex, avec Idols, que c'était une espèce de marée humaine noire, là. Mais on sentait quand même la puissance, vu que des fois, les gens, avec leur voix, couvraient quand même le son des retours. Donc, c'est dire... Mais du coup, c'est, voilà, je dirais que c'est assez particulier comme ambiance, quoi. Donc, une salle de 600 personnes où tout le monde est à donf, je vais encore plus kiffer qu'une salle de 1500 personnes où je sens pas trop le truc, quoi. Après, c'est vraiment, voilà. C'est chaud. C'est pas évident, hein, après pour l'accueil, c'est vrai que le bikini c'est pas mal aussi. Ouais, mais disons que maintenant l'accueil est de mieux en mieux. En général, font attention. Ouais, en général, quand même, en général, pratiquement tout bien accueilli. On n'est pas trop à cheval là-dessus non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas, pas trop chien non plus, quoi. On le fait, je pense, avec passion, du coup, bon. Ouais. Voilà. C'est plus important presque, c'est ce qui va se passer sur la scène et avec les gens. C'est ça, ouais. Après, avoir une bonne sono, c'est cool quand même. Ah ouais, bah. Et des retours. Des retours. Parce putain, que ça. Des retours. Lino, je me suis tapé une sans retour. Voilà. C'est cool, mais. Alors, avec Natural Beatmaker, qui comprend des artistes comme DJ HP, les fameux Groove Inspector, The Clams, sont encore un blessé IA, on a cru comprendre que ça se passe plutôt bien. Comment le label s'est-il monté? Alors, pour la petite histoire, donc je vais raconter un peu plus moi, parce que Yann était mon coloc à la base, et avec Jibou, tout ça, enfin les Groove Inspector, on va dire, donc eux, c'est des potes d'enfants, ils se connaissent depuis vraiment super longtemps. Et Yann, il y a quelques années, moi je faisais encore de l'électro, et tout ça, lui a décidé, c'était son truc, il s'est dit, ouais, je veux vraiment lancer un truc de booking, de prog et tout, et puis il l'a fait méga sérieusement, on va dire. Et c'est vrai que nous on est arrivé après parce que tout ça s'est monté et tout ça, et nous c'est vrai qu'à partir du moment où on a monté ce projet Progressive France, c'est à partir de dimanche un peu, naturellement je suis allé vers Yann, quoi, et qui Yann nous a fait confiance, et voilà, en fait l'histoire elle est là. Et après c'est vrai que c'est un putain de super collectif, moi je dirais aujourd'hui, c'est moi de tout ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant, c'est même si on a fait plein de trucs bien, Yann travaille bien, chaque artiste bosse bien, on fait bien les cons en plus, donc il y a tout qui est là. Puis, quoi, là mine de rien, je pense que sans Yann, justement, je sais pas si Proper Lane serait vraiment né sûr, ou se serait développé comme il s'est développé. D'entrée, il nous a permis de jouer, parce, on avait rien. C'est même lui qui nous a mis un peu la pression direct, parce qu'il nous a dit, ouais, je vous book, donc maintenant il va falloir faire des tracks. Et donc voilà, l'intérêt c'est de. Ouais, on n'a pas été forcé non plus, mais c'est vrai que quand tu sais que t'as un booker derrière toi, et en plus qui est surmotivé et qui met tout en jeu.
jeu pour que, pour que tu joues, c'est vrai que c'est motivant. Quoi. C'est parce ça. Que c'est, mine de rien, c'est ce qui est dur aussi quand tu es artiste, parce que maintenant, il y a beaucoup et porté, de... du coup, forcément, par le mauvais spectateur qui tourne. Et voilà, ouais, ouais, de clair, DJ HP, qui est, un super DJ, faut que j'arrête de dire, putain, c'est pas très poli. moi, je les connais moins que David. Mais après, toute la bande, tout là-dedans, c'est, c'est vraiment... Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est cette fraternité. Il y a Lut aussi, enfin, il y en a d'autres. C'est pas exhaustif, et c'est un super groupe, vraiment. C'est ça que j'aime bien, c'est... Myriam, Mystique, c'est toute une... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est puis ça fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé un peu de faire un peu comme on a pu voir à l'extérieur, genre les Allemands avec Nilix et compagnie. On essaye de créer une dynamique, c'est pas toujours évident parce qu'on a tous nos vies, nos activités et tout. On essaye de trouver une dynamique pour tous monter ensemble et se partager un peu nos expériences et nos techniques de mix et techniques de son. Super important, et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de styles où t'as l'impression que si jamais tu donnes tes idées, tu vas te les faire piquer, machin. Et donc. Voilà, là c'est intéressant de cette espèce de dynamisme qui est très intéressant. Donc, quoi. Carrément. Ouais, donc du coup on collabore pas mal, on fait des morceaux entre nous, on n'a pas encore tout sorti, mais on a commencé des morceaux avec Gros Inspector, on est vachement. Je pense que ça va se développer. Donc on arrive à la question suivante, c'est magnifique. Comment s'organise ce label à l'avenir prometteur? Yann, on va te laisser répondre. Yann, c'est pas là. Vas-y, appelle-le. Il n'y a pas Yann, c'est lui qui expliquerait mieux comment ça fonctionne, mais au niveau de l'organisation. Pour être simple quand même, Natural Beatmaker, à la base, c'est quand même, c'est entre guillemets une sous-partie de Cosem, de Carnage, de Céline, en fait. C'est un mélange de plein de styles géré par plusieurs labels différents, en fait, et c'est une machine assez professionnelle quand même, qui est là depuis longtemps, qui vient de la teuf, qui a écrémé quand même pendant longtemps. Et donc voilà, c'est à la base Céline qui emploie plusieurs personnes, dont Yann à la base, et après chacun devient indépendant parce que chacun développe son style, et ce qui fait que ça fonctionne aussi, quoi. Voilà, je pense que leur but, c'est de faire un peu comme il peut y avoir justement à l'étranger, des structures qui sont capables de faire vivre un peu les artistes, de se développer. C'est ça, le but, c'est bien. C'est ce qu'ils essayent de faire en tout cas, parce que la musique, c'est compliqué. C'est pas évident, en plus en France. La musique, c'est compliqué, même si tu tournes et tout, c'est vraiment compliqué. Ouais, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, l'avenir, à mon avis, semble pas mal. Les nouveaux projets sont bien, ça me paraît bien. Vous avez tous les deux un petit nom indépendant au sein des Not For Kill. Parlez-nous un peu de vos identités séparées. Alors, vas-y, commence. Eh ben moi c'est Idols, donc avec ma compagne Julie, qui a aussi son projet perso qui s'appelle Takin. Donc on produit à deux, électro, dubstep, un peu de drum and bass. Le projet en ce moment, on est en train de préparer pas mal de choses pour la rentrée, pas mal de tracks en prévision. Et après, c'est... En live, on joue des DJ sets assez péchus. On est tous les deux DJ à la base et on aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'après, c'est pas la même énergie. Vous avez produit le mix aussi, attends. Un peu, ouais. j'ai commencé un peu par ça, moi, les remix. Donc c'est vrai que c'est un truc que je maîtrise un peu plus, on va dire, que les originaux. Bien que sur la petite prog, maintenant, c'est plus des originaux, mais... Mais du coup, ouais, voilà, c'est plus dubstep électro, drum and bass, des sets un peu plus énergiques, c'est un public un peu différent pour moi. Et c'est pour ça aussi que je m'y retrouve bien aussi dans la psyproc de ce côté-là, parce que je retrouve un peu plus l'esprit free party, en fait, entre guillemets, sur les gens, l'esprit voyage, quoi. Parce que le dubstep électro, c'est un peu la track du moment, un peu bourrin pour être bourrin des fois, bon, voilà. Maintenant, je trouve toujours mon compte dans ce style parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est un milieu un peu plus ingrat aussi parce qu'il faut un sacré niveau pour avancer des choses solides sur la table. Parce qu'il y a un très gros niveau en électro, dubstep et drum and bass. Donc voilà, un peu le projet avec Idols, quoi. Et moi, à la base, c'est Bonne Machine. À la base, c'est un projet qui est né. On était deux avec Thomas, donc pendant un moment. Et puis après, moi, j'ai continué ça tout seul, donc avec Not For Kill et tout ça. Et donc voilà, c'était un délire un peu plus électro, dirty, puis bien gras avec moi, on va dire. Et puis voilà, là, d'ailleurs, après, ça continue, puisque j'ai une track à faire pour la rentrée, là. Donc il faut que je m'énerve. Donc, parce qu'avec Not For Kill, là, ce projet-là, donc ouais. Voilà, donc le passif, c'était ça, c'était assez Bonne Machine, et même si ça continue encore, j'ai quelques dates de temps en temps, mais c'est vrai que là, enfin, moi je suis pas malade de travail comme lui, quoi. Donc j'ai du mal à faire mille choses en même temps. Donc c'est vrai que là,
les efforts majeurs sont surprogrammés, clairement. Mais bon, voilà. Après, le passif a servi à plein de choses, ça c'est certain. Est-ce que le label Not For Kill et Natural Maker s'entendent bien? Oui, tout à oui, fait. Clairement. On voulait, d'ailleurs, on voulait, enfin, on l'a pas fait, mais j'espère qu'on va le faire. Mais on va faire une coprod, on va faire une soirée, forcément, où d'un coup, il y aura une grosse scène prog, une grosse scène dubstep. Ça vaut le coup, on voulait le faire en Espagne à la base. Ouais, il faut qu'on, voilà, il faut qu'on s'organise, mais on va le faire. À Bordeaux, évidemment. Si donné, ouais, voilà. Il y a des idées, bah, on en parle. De toute façon, c'est un peu le même esprit, hein, Not For Kill, c'était né voilà, vraiment c'est d'amitié. C'est une bande de potes, quoi, et voilà, ouais. Donc forcément ça va se faire. Pourquoi nous pourrions-nous voir une collaboration future malgré les deux univers? Attends, c'est pas encore. Pourrions-nous voir une collaboration future malgré que les deux univers sont très différents? Tu viens de répondre. Voilà, je viens de répondre, okay, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le dire. Que retrouvez-vous dans la trance que vous n'avez pas eu dans vos autres projets indépendants? Mais il l'a dit tout à l'heure un petit peu, c'est ça, ce côté vachement plus cool en fait, en clair. Même c'est vrai qu'on a directement été sur des grosses dates avec des gros DJ, ça s'est toujours bien passé. C'est vachement plus cool quand même que l'ambiance que tu vas pouvoir retrouver en électro, en dubstep. Voilà, on fait un peu c'est con parce que ça fait un peu les gris de ça, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est un style qui fonctionne complètement différemment, c'est tout quoi. Et c'est fait. Voilà, ce que je reproche un peu moi à l'électro dubstep, c'est que à un moment donné, c'est devenu un peu. Il y a de la lumière, il y a des déguisements, on y va quoi. Et du coup, j'ai fait des soirées comme ça quand même. Oui, mais les... oui. Non, mais... Au niveau de déguisement et des lumières. Mais les gens, enfin, le public, tu le retrouves bien quand même. Oui, non, tu vois, je j'ai eu quelques mixed électro dubstep où des fois on se demandait. Bon, nous avec Julie, quand on a joué avec Idol, ça a toujours bien marché parce qu'on s'est toujours cassé. Je vais dire encore un gros mot, le cul à faire des sets justement, je pense assez élaborés. On fait de la musique de jeunes. Hein. Qui ont surpris un peu et qui normalement étaient censés être entraînants et qui ont bien marché. Mais c'est vrai que des fois, bon, le public est pas tout le temps facile à ramener vers soi et à communier. Alors que dans la psy prog, je retrouve plus l'esprit techno en fait, des gens qui sont un peu plus là pour le son que l'ambiance générale. Et pourtant, mais c'est peut-être moi. Juste pour faire une petite parenthèse. Après, par contre, c'est là toute la difficulté de ces styles électro, dubstep et tout ça. Techniquement, c'est vraiment des trucs super chiadés, super compliqués. On a des super producteurs à Toulouse vraiment hein, que je clame évidemment quand tu fais genre le track K12 quand tu fais et qui sur le point d'arrêter tellement la vie est compliquée, tu vois, dans ces milieux-là quoi. Alors que c'est les gars quand même qui c'est, en voient, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi le côté, c'est pas les mêmes difficultés du coup. Enfin, dans la psy prog, moi je sais que je trouve mon compte dans l'aspect traitement reverb, delay et tout ça, c'est vraiment un autre boulot et ça c'est très plaisant. Puis quoi. Après, le changement fait toujours du bien. De nouveaux projets pour NBM ou votre duo? Des nouveaux projets, il y en a plein, là on a plein de trucs à venir, donc on peut en parler puisque c'est officiel, on joue au Bikini le 20 septembre et donc ça va être un peu une soirée battle, donc ça va être donc c'est dans le cadre de Regard, et après sinon on a pas mal de trucs, donc nous on joue à l'Inox Park en septembre aussi, on a tout le monde joue pas mal là. Cet été, ça tourne, donc on a quelques morceaux en projet, progression. On en a plein, aussi, on a plein de morceaux. Il y a des projets, il y en a plein. Nouvelle date prévue donc à divulguer, on y va. Donc il y a, on joue pour le Son Libre Festival le 19. Enfin, en l'occurrence, nous on joue le dimanche matin à HPI Groupe Spector juste après nous. Ça c'est le 19. On joue le 27. Enfin, on joue normalement à deux, mais peut-être que je risque de jouer tout seul. On joue avec Fabio et Moon à Cugliura sur une super salle, il a intérêt à venir, hein. Franchement sinon ce serait triste. Et après on joue à côté de Nancy pour le festival qui s'appelle Éclosion Festival, qui va être chouette. Et la semaine d'après Inox Park, et donc après le Bikini, et puis voilà. Bon, ça me fait déjà pour l'instant, mal. Disons que c'est des bonnes dates sympas.